أيضا في إطار ممارسة اختصاصاتها في تتبع وتقييم السياسات العمومية، تحضر لجنة جوية لحقوق الإنسان جهة سوس ماسا في هذا اللقاء التشاوري حول الهجرة والعيش المشترك بجامعة سيدي بيبي إقليم الشتوكة إتبا. هذا اللقاء اللي كينظمو المجلس الجماعي لجامعة سيدي بيبي في الحقيقة هو بأهمية مكان، لأن هذه الأرض ديال سيدي بيبي ولا هذه الجامعة سيدي بيبي اليوم كتعرف ساكنة جنوب صحراوية ومهاجرين جنوب صحراويين اللي اختاروا الاستقرار فيها والعيش بها والعمل بها، وهذا كيخلق للجامعة تحديات جديدة وآفاق ديال الاشتغال اللي هي جديدة كذلك. وبالتالي كان ضروري اليوم أننا نلتقيو هاد الناس ونشوفوا شنو هي الانتظارات ديالهم، شنو هي طموحاتهم، وشو ممكن يقدموا لتنمية جامعة سيدي بيبي اللي اليوم أصبحوا هم جزء من ساكنة ديالها. Notre association est basée pour l'accompagnement des migrants, l'orientation des migrants, la prise en charge médicale des migrants, et puis surtout l'accompagnement surtout des femmes qui sont parmi nous, ils ont des enfants. Et surtout orientation, parce que nous les migrants, nous sommes là. On ne sait pas vraiment là où il faut partir pour gérer nos problèmes. On ne sait pas là où taper la porte. Mais avec l'accompagnement des ONG qui sont en place, ils peuvent nous orienter et puis ils peuvent nous guider. Comme le cas de la création des bureaux accueil orientation des migrants. Donc les premières expériences, ils ont mis ça même le jour là devant moi, quand il y avait une femme qui a accouché. Donc on a fait toutes les démarches là, malgré qu'il n'y avait pas les documents qu'il nous faut, mais qu'on a fait le maximum pour que l'enfant ait son acte extrait de naissance. Et franchement, ça c'est les choses à écouter et ça c'est les choses à encourager. Et c'est la première fois aussi qu'ils ont accepté les migrants de venir dans la commune, surtout de les écouter. Parce que comme dit mes prédécesseurs, ils nous ont beaucoup expliqué depuis les années qui passent, 2016, 2017, 2012, qu'on n'écoutait pas les migrants, qu'on n'acceptait même pas les migrants dans les lieux publics. Mais aujourd'hui, maintenant, avec l'appui et l'accompagnement, j'espère que ça va aller et puis c'est en train de partir, c'est en train de marcher. Et qu'on a beaucoup de projets, surtout créer des centres de garderie pour les enfants qui sont parmi nous. Les mères célibataires, ils ont des enfants, mais il faut qu'ils vont travailler pour aller au travail, mais ils n'ont pas le lieu où garder les enfants là. Donc vraiment, on demande un appel à tous les partenaires de venir nous assister et puis de venir nous accompagner dans ces projets et dans ces processus. Et comme tout le monde, vous savez, vivre en association, c'est pas tout facile. Donc de nous encourager, de nous guider, de nous orienter. Donc et ici, vraiment aujourd'hui, nous sommes là à cet atelier. Franchement, je suis content parce que c'est la première fois qu'on nous écoute. C'est la première fois qu'on échange avec les autorités marocaines, ceux qui sont dans le gouvernement. Donc ça, c'est des choses à apprécier et c'est des choses à encourager, surtout le gouvernement marocain, et qu'on les remercie. Nous sommes franchement contents de leur accueil. Cette ورشه تأتي في إطار إعداد البرنامج العمل الذي صارت عليه جماعة سيدي بيبي والذي اشتغلنا فيه بشكل تطوعي من أجل إنجازه وإعطاء هذه الأبعاد الاجتماعية التي أصبحت تعيشها الفضاءات الترابية. المجال اليوم هو مجال مشترك، جماعة سيدي بيبي تستقطب الهجرة المغربية الداخلية، ولكن اليوم أصبحنا نتعايش مع هجرة خارجية ببعدها الإفريقي. أكثر من 12 أو 13 جنسية اليوم تتعايش وتعيش في قرية هي قرية تدرت وفي أيضا وسط سيدي بيبي وفي القرى المجاورة للاشتغال في الضيعات وفي المهن الأخرى، التجارة وغيرها. إذن جيل جديد من الشباب الإفريقي اختار هذه الجماعة ليعيش داخلها، وبالتالي لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار أثناء الإعداد لبرامج العمل. لا يمكن التغاضي عن شريحة كبيرة تعيش معك، لها انتظارات، كيف ينظر إليها المغاربة، كيف تنظر هي إلينا، في حين أننا بفضل مجهودات صاحب الجلالة نصر الله أعطى للهجرة هذا البعد الدولي، واليوم في الأمم المتحدة وفي غيرها من المحطات تنوه بالتجربة المغربية. وبالتالي لا بد من تنزيل سياسة الدولة التي وضعتها في قضايا الهجرة واللجوء على أرض الواقع، ومن بينها قضايا العيش المشترك والتساكن والتعايش والانفتاح على ثقافة الآخر. Aujourd'hui, nous sommes à la commune de Sidi Bibi, invité par les responsables de Sidi Bibi, qui ont initié une rencontre, un atelier entre subsahariens et marocains, comment vivre ensemble, comment travailler ensemble. Quels sont les problèmes, les soucis que nous avons ici au niveau de, dans le sous-massa, je dirais en général, et comment travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble pour pouvoir mieux consolider l'immigration et surtout l'intégration entre les Marocains et les subsahariens. Donc déjà, je dirais que je suis très très fier
parce que c'est des choses qui n'ont pas existé depuis un bon moment, mais aujourd'hui, qui prend forme. Nous sommes fiers, nous les subsahariens, nous sommes fiers. Ça veut dire que la confirmation de l'intégration ici au Maroc pour les subsahariens est vraie. Elle est vraie et elle est sincère. Parce que si aujourd'hui on les invite à des ateliers pour discuter de nos problèmes avec les premiers responsables marocains, ça veut dire que l'intégration est réelle. Et je remercie déjà toutes les autorités marocaines et surtout Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis fier de lui et je suis vraiment très heureux parce qu'il nous a ouvert les bras. Il nous a vraiment ouvert les bras. Il est le premier pays arabe, je dirais, maghrébien, qui donne une chance aux subsahariens que déjà nous devons saisir. Oui, nous devons saisir. Donc je leur dis merci et je dis merci à tout le monde. يمكن ما كتشوفوا معنا كان اخر ورشه في اطار الورشات الموضوعات هي ديال برنامج حول برنامج عمل ديال مجلس جامعه سيدي بيبي. الورشه اللي كتحمل عنوان الهجره والعيش المشترك. حضروا معنا اليوم لي سبسحريان واساتذه ومؤطرين ومنظمات وحاولوا اعطوا المشاكل ديالهم واستمعنا لهم وعطوا في نفس الوقت مقترحات اللي يحاول المجلس الجامعي في هذا برنامج عمل ديال من 2021 حتى 2027 يخدم عليهم اللي كتهم اساسا التعليم ومشكل ديال الحضانه ومشكل ديال الوثائق. المهم العديد ديال المشاكل اللي يحاول المجلس بشراكه مع الجمعيات ديال المنطقه يخدموا عليهم ان شاء الله في طيله الولايه.